explosion, tu vois. Moi, je fais la Perona géante. Que quand elle est en Kizuna, alors, parce que quand elle est normale, elle fait que voler comme ça à travers les ennemis. Ok, ouais. Bah, j'ai essayé de le faire une fois, je me suis fait stopper parce que bah elle laisse son corps au sol et comme un con je l'ai fait alors que j'étais en plein milieu de tout le monde. Donc je l'ai laissé de côté cette attaque. Mais je me souvenais qu'elle était forte en fait. Bon, moi dès qu'il y a un combo qui me plaît, je m'y arrête en fait. Donc, j'avoue. Et merde, je peux pas faire l'attaque spé. Faut des pièces de smoker. Quand voulez-vous que je teste les persos si je veux pas les trucs au maximum? Au secours. Il va falloir que je farme les pièces en off en fait. Alors, Dofi. Oh ouais, c'est la cage. C'est la meilleure attaque. Après, Dofi, je me souviens, il était assez fort. J'avais mis dans les meilleurs persos, je crois. Là on a Ener et Akain. Ok. Un peu plus fort. Ouais tu trouves? C'est overheat il me semble. Il y avait un bug de son. C'est cette attaque là qui fait mal parce qu'ils se tapent entre eux quand ils tournent autour de moi. Alors que celles-là ils vont juste devant. Ah oui, dans le 4 il est ultra puissant. Même s'il y a des persos qui sont beaucoup plus puissants que lui dans le 4, il reste puissant.
Akainu est en danger. Il est contre Kuma en même temps. Peut-être tous ces combos en Kizuna. Ouais, il faut que je pense à le faire parce que c'est des combos qui se débloquent au niveau après le niveau 50, les combos Kizuna. Ça, ça y était pas. Là, celui-là, il les fait tourner sur eux-mêmes au lieu de les envoyer. Blubblubblub. Voilà. Et il fait un petit coup à la fin. Il y a que le premier et le deuxième combo de carré qui sont changés, j'ai l'impression. Peut-être le troisième. Le quatrième, c'est sûr qu'il n'est pas changé. On testera les combos triangle après. Parce que j'ai pas eu le temps de les tester. Et les deux trompes, ouais. Là, il donne des coups en l'air. Là, le coup de fluide est plus puissant. Donc, je pense à le faire pour chaque perso. Là. Il manque d'explosion, ça oui. C'est juste que après, quand il y a beaucoup d'ennemis autour de toi, bah, tu fais beaucoup plus mal. Quoi. C'est le but de Doflamingo. Quoi. Comme Nami. Ah, j'avoue que là, par exemple, j'aurais joué avec Moria ou Perona, je me serais déjà débarrassé de Kizaru depuis longtemps. Non, ce qui fait mal, c'est quand ils sont tous pris en même temps. Rainer! Là, je me suis débarrassé de tous les... gros bonnets, sauf à chaque fois les alliés, ils balancent tous les ennemis, ils font chier.
C'est ça qui est pas pratique du coup avec Doflamingo. La perron n'est pas pris dedans donc ça ne veut rien faire. Ils prennent les ennemis contrôlés, on a le... Bah là c'était pas le cas. Perona il se prenait les ennemis contrôlés, ça lui faisait pratiquement rien. Et en fait c'est qu'avec cette technique là, ils se tapent dessus entre eux. Même ceux qui courent. Bon, ça elle a pas subi, mais à la fin tu l'as fait. Enfin, j'ai pas de contrôle d'elle. Alors, regarde, mais tu. Ouais, on enlève pas de dégâts quand il est en. En train de courir. Pourquoi il y en a certains, ça leur enlève. Enfin, ils font le tour sur eux-mêmes. Ou alors c'est que les petits ennemis. Ouais, les gameplays des persos du 3 au 4 ont énormément changé. Déjà, il y a des combos que tu peux faire que en l'air dans le 4. Vu que tu peux sauter dans le 4. Là, dans ce jeu, on peut pas sauter. Dès qu'on se retrouve en l'air, c'est pour faire une attaque en fait. Oh le salaud. T'as eu quoi, toi? Je crois que j'ai perdu le fil de la conversation. En quoi avoir le cap sur Switch change parce qu'il a école? Je vais pas l'embêter avec ça. Bon, je vois un jeu One Piece, je pense pas que ça gêne. Il me faut le online, mais je crois que j'ai 7 jours gratuits. Ah oui, c'est vrai qu'il faut payer le online sur Switch. Contrairement à PlayStation. Je rigole. Bien sûr qu'il faut payer sur PlayStation aussi.
Is Blue. Le son est totalement décalé, je suis désolé. Est-ce que je peux t'aider dans le mode trésor pour faire les rank S? On a fait ça avec Franck. En fait, l'histoire, ouais, on peut pas la faire en coop, il faut absolument faire le jeu en normal, puis ensuite tu peux faire les niveaux d'histoire en coop. Il a tout cassé. Non, en fait, c'est le son qui était décalé. Donc ça me saoulait. Vous savez, entre ce que j'entends et ce que je vois, vous, ça change rien. Vous avez le son normal. Mais pour moi, la latence se faisait de plus en plus, en fait. La fin du monde, au secours ! Mais tout le mode 13 ans, on peut le faire en coop. Et il est long. Je peux toujours pas faire la deuxième attaque, mais c'est sérieux. C'est horrible en fait. On peut pas tester les persos dans ces conditions-là. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau avec Smoker? Ah mais j'ai commencé Doflamingo, ça me fait chier. Captain Corsair. Nous on va faire un niveau qu'on a déjà fait, hein, écoutez. Bon bah Tangar peut-être qu'il aura Smoker avec lui, même si ça m'étonnerait. Garp, Don Quixote. Quatre empereurs, science. Normalement, il y a un truc avec le G5. Impel Down. Pinain ou gouvernement mondial, on a une chance d'avoir Smoker dedans, mais voilà. On va faire l'Octarne. Non! Faut que j'avance dans le mode trésor.
Zerg Fluffy Ace. Après, ça, c'est les niveaux que j'ai déjà fait. Donc, G5. Mais tu te contredis. Je sais. Non, j'ai juste pas envie de faire les niveaux d'histoire. Parce que c'est pas assez long. Enfin, c'est pas assez court, pardon. Il est spécial. Il est spécial. Après Smoker, on n'a pas vraiment. Doflamingo, on n'a pas vraiment besoin de. Son ulti pour voir. Hein. Son ulti a fait mal, c'est sûr. Il n'est pas explosif, mais il a fait mal. En tout cas, je vois pas pourquoi je l'avais mis aussi haut dans le classement à l'époque. Pourquoi hein? Il y a plein de persos comme ça où je me dis, je vois pas pourquoi je les avais mis si haut à l'époque. Ah oui, avec les points chelous. J'avais fait un calcul de merde. Parce que clairement là, Perona elle est au-dessus de lui. J'avais pas vu qu'il avait lâché un bout de viande. J'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de difficultés à passer entre les ennemis aussi. À te balader en l'air comme ça. Genre tu restes bloqué sur les ennemis. Regardez.
Là où quand t'es au sol, tu peux leur foncer dedans en fait. J'ai été trop loin. Zako domo ga kiete yaro. Ore ga seigi da. Ore ni kateru to demo omotta ka? して返すつもりはねえんだ。フォロワーやろう。時代にケリをつけようじゃねえか。
Je suis déçu par Doflamingo. Et pas juste parce que j'ai pas son ulti, hein, mais... Mouais. Genre le gars, c'est censé être le boss final du jeu. Au final... C'est la déception finale du jeu. J'ai même envie de le mettre en dessous Crocodile, s'il te plaît. Genre là, en fait. Bon. C'est la place que je lui donnerai. Je vois pas, en fait, il est meilleur que Usopp, ça c'est sûr. Sanji est un peu plus explosif, donc... Crocodile, ouais, il y a plein de trucs sur Crocodile, c'est dommage qu'il soit pas aussi explosif que... Ça, quoi. Dans le 4, type aérien, bof. Mais dans le 4, il a de meilleures attaques.